Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalnature.com. On va évoquer le programme de ce vendredi 20 décembre, nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix d'Amboise dans cette course réservée aux juments. Je pense que les deux protégés de Jean-Michel Bazire vont se tailler la part du lion. Je pense notamment au numéro 2, Noble Dolly. C'est une jument qui est arrivée cet automne dans l'écurie sartoise de Jean-Michel Bazire. Elle n'a pas tardé à montrer de la qualité. Elle a déjà gagné sur notre sol. Elle reste d'ailleurs sur un probant succès sur la grande piste où elle devançait 4 de ses rivales du jour. À mon avis, ici, elle trouve une belle occasion de combler une nouvelle partie de son retard de gain. Je lui poserai le numéro 6, Dastavia de Guès, qui s'était permis le luxe l'an dernier, l'hiver dernier pour être précis, de signer 4 victoires consécutives. Sa forme est évidente, puisqu'en dernier lieu, après avoir tardé à trouver le passage, elle a très bien fini pour se classer 4e d'une course référence. Attention également au numéro 1, New York Diamond in the City, New York Diamond in the Sky, qui pour ses débuts à Vincennes le 7 décembre a très bien fini pour se classer 2e. La tenue ne lui fait pas défaut ici, sa chance est prépondérante également. 2, 6, 1, mes trois préférés, et a priori des bases tout indiquées pour ce rendez-vous. Attention également pour une place au 16 Datcha, elle est en forme, on atteste ses 4 dernières sorties, et elle vient de s'imposer le 27 novembre, elle est bien engagée. On garde également le numéro 14 Caresse, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière prestation, où on pouvait s'attendre à mieux de sa part ce jour-là. Auparavant, elle avait collectionné de bons résultats. Le 4 Dona Viva compte 19 podiums en 36 courses courues, preuve de son efficacité. Sachez également qu'en dernier lieu, dans un lot mieux composé, elle a pris une 5e place et se fasse au mal. Une confirmation logiquement attendue. Le numéro 11 également, Belle d'Hermès, qui reste certes sur une disqualification à Cabourg, mais qui auparavant avait gagné avec un certain brio à Laval. Mieux vaut donc la racheter, d'autant qu'elle est confirmée dans les quintés. 4 places pour elle en 6 participations. Le numéro 7, Cavalera, reste sur 2 places de deuxième. Dès lors, on s'en méfiera. On résume tout ça en chiffres. 2, 6, As, 16, avec les bases 2, 6, As. Ensuite, le 14, le 4, le 11 et le 7. Suite du programme, on peut parler du prix Une de Mai, un groupe 2 qui a déjà souri à des pouliches de qualité, une épreuve réservée aux pouliches de 2 ans. Billy de Montfort ou encore Greenpeace l'an dernier ont remporté cette course. Cette année, j'aime beaucoup le 208 Havanaise. Havanaise qui a très bien conclu pour prendre la deuxième place du prix Vourazi dernièrement. Ce jour-là, elle faisait belle impression et devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Bien sûr, on opposera le numéro 10, Hirondelle Cybet, qui était toujours en tête dans ce même prix Vourazi lorsqu'elle s'est montrée fautive dans les tournants, lorsqu'elle a été attaquée par la futée lauréate Hirondelle. Ah pardon, c'était Beautiful le Colibri. Et le 212, Havana d'Orcy, il faut la reprendre, car ce jour-là, elle est partie au galop, rapidement disqualifiée, mais ensuite en retrait, c'était pas mal du tout, montrant sa forme et sa qualité. 8, 10, 12 dans la deuxième. La quatrième, j'aime beaucoup le 7, Flora de Pomereux, le 8, Flya Kaluma, elles se connaissent bien. Elles viennent de terminer sur le podium d'une épreuve de même facture à Vincennes fin novembre. Ici, le lot semble dans leur corde. Attention également au 510, Short in Cash, qui pour ses débuts en France a fait sensation. Il a couru le prix Douanel de Saint-Quentin, une épreuve bien composée, puisque c'était excellent qui s'imposait, une épreuve dans laquelle il devançait notamment un certain Eugénito du Noyer, un cheval de Critérium. Et ce jour-là, le cheval a longtemps été enfermé, un mauvais parcours, ce qui ne l'a pas empêché de très bien finir. Une fin de course qui en dit long sur ses moyens. Il devrait pouvoir confirmer et s'imposer ici. 510, Short in Cash, un cheval en retard de gain. La septième, on prend les mêmes et on recommence. Le 10, Chacha de Gontier, le 1, Caplignerie et le 7, Crossfire, qui ont formé dans cet ordre le trio gagnant d'une épreuve de même facture dernièrement à ce niveau. 710, 1 et 7. Concernant la réunion qui se déroulera, réunion 2, sur les pronoms de Pontchâteau, Johan Lemay n'est pas négatif, avec le 414, c'est dans cette épreuve Gilou de Fontaine, un cheval qu'il aime bien, un poulain de qualité, un poulain qui progresse. Il aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine, un cheval de tenue. C'est un cheval qui, à mon avis, ici, trouve un lot dans ses cordes et malgré la distance trop courte pour ses aptitudes, il mérite crédit. Le cheval a d'ailleurs été préféré pour cet engagement plutôt qu'un autre roman. Concernant le protégé d'Olivier Boudou, le 504, c'est Fangio du Guesclin. À mon avis, il faut le racheter. Dernièrement, à Vincennes, il est mal parti, il n'a pas eu un bon parcours, étant contraint de progresser le nez au vent. C'est un cheval qui, auparavant, avait montré de belles choses. Lorsqu'il a un bon parcours caché, il sait finir vite sur 300-400 mètres. Et à mon avis, dans ce lot, il a les moyens de se mettre en évidence et de se racheter. C'est le 504, c'est Fangio du Guesclin. Concernant Laurent David, j'ai pu m'entretenir avec ce professionnel sympathique. Eh bien, sachez qu'il présente le 816 Charlie Blonnet. Le cheval reste certes sur des échecs, mais c'est un cheval qui a de la qualité, qu'il aime beaucoup et qui revient très bien à l'entraînement. Dès lors, il ne serait nullement surpris de le voir refaire parler lui dans ce 8e rendez-vous sur la piste de Pontchâteau. À la soie en réunion 4, deux coups de cœur indiqués. Le 201, Le Bandit, qui est confirmé, qui se plaît sur le sable. D'ailleurs, il y compte déjà 5 victoires. Et sachez également que sur la piste de Lyon-la-Soie, il s'y est produit à 3 reprises. Résultat, une victoire, 2 places de deuxième, du 100% de réussite parmi les deux premiers.
c'est le 201 Le Bandit. Attention également au 802 Noxareno qui vient de s'imposer sur ce tracé le 21 novembre et qui auparavant avait été jugé digne de courir une Listed Race. Ici, entraîné par Fabrice Chappet, ce 802 Noxareno me semble en mesure de doubler la mise et de remettre le couvert dans ce rendez-vous sur la PSF de Lyon-la-Soie. Lyon-la-Soie, Réunion 4, 201-802. Excellent jeu à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.